Si je peux poser une question, juste cette disposition a été prise, c'est de toi, tu as décidé de faire comme ça. Pourquoi? Pour faciliter la tâche un peu pour le DSU de certaines communes, ou alors est-ce qu'il y a une autre envergure ou pas? Il y a trois paramètres qui peuvent s'ajouter. Premièrement, visiter plusieurs communes. Les communes qui ont demandé l'arrivée du tour, ils n'ont pas eu l'arrivée du tour, mais on leur donne un départ. Deuxièmement, problème de récupération. C'est quand on arrive au Macouba, où on aura fait beaucoup de côtes, beaucoup de difficultés pour aller au Macouba, et on termine au Macouba à 14h, 15h, 16h, le temps de rentrer à l'hôtel, il est déjà 19h. Et repartir à 5h du matin pour reprendre, traverser pratiquement toute la Martinique, puisque l'hébergement, c'est sur Sainte-Luce, c'est dans le sud, et puis avec le car et toute la caravane, pour remonter au Macouba. Donc là, ça va ajouter un petit plus de sommeil aux athlètes qui vont rentrer dans leur hôtel, qui vont se reposer. Et le lendemain matin, ils n'auront pas besoin de faire beaucoup de route. Ce ne reste pour les invités et les équipes qui habitent le sud. Ils auront juste à faire à peine 15 ou 10 km pour aller au départ. Pour toute l'organisation. Le troisième paramètre, c'est l'usure de carburant pour traverser la Martinique, aller dans une commune, rentrer dormir, c'est un problème de passer à la pompe et de faire le plein tous les jours. C'est coûteux. Oui, voilà. On en sait quelque chose, monsieur Berpré, l'année passée, on a fait toutes les étapes. Et tout à fait, je comprends. Ouais, voir le tout applaudir, mais on ne connaît pas les difficultés qui se présentent. Hein. On est là et c'est le président seulement qui tient la queue, qui donne la chaleur. Le petit mot là. Bonjour Hervé, comment vas-tu? Comment vas-tu Félix? Eh bien, en forme. Eh bien, en forme. On va la dire. On fait avec les moyens du bord. Donc alors, comment tu as loué cette étape aujourd'hui là? Comment ça s'est passé? Écoute, Félix, ça a été une étape encore difficile. Hein. Ça a été une étape difficile. On a vu que très tôt, il y a beaucoup de coureurs qui sont passés par la fenêtre, comme on dit dans le jargon, donc qui ont craqué par rapport au peloton, une vingtaine de coureurs. Et c'est vrai que ces coureurs-là, malheureusement, ils n'ont jamais revu la tête du peloton. Et puis après, la grosse bataille a été déclenchée très tôt dès l'estrade avec Carnier qui a encore fait un festival au niveau des points. Et puis après, l'équipe de l'APP qui a un peu, bah, je ne vais pas dire de malchance, mais qui était menée à contribution pour rouler toute la journée, pour essayer de colmater la brèche pour Areuya, pour Ami Bana. Donc du coup, ça s'est avéré compliqué. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'aujourd'hui, ben, Marc est capable de mettre aux jeunes. Donc c'est super bien. Quoi. Mais dis-moi, qu'en penses-tu Carnier, il n'est plus à présenter, c'est un jeune garçon qui a du talent. Ouais. C'est vrai que bon, à une époque, je pense qu'il a pu vraiment faire une carrière internationale au niveau ailleurs. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il est basé ici, il a maintenant un travail ici, mais c'est un garçon qui est valeureux. Depuis les premiers jours, c'est vrai que le premier jour, il est passé un petit peu à travers de son étape, mais après, dès le lendemain, dès le dimanche, il n'a pas arrêté d'attaquer. Et c'est pas pour rien qu'il a le meilleur poids, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il est en tête des classements grimpeurs. Et puis, c'est un garçon intelligent, un garçon posé, poli, discret, et qui a un coup de pédale qui est aérien. Donc, Il a tout pour être le vainqueur aussi. Ouais, il a tout. Maintenant, on est comme mercredi, Félix. Oui. Là, ça veut qu'on ne va pas nous vendre la polo, ça va nous tuer. Et que là, ça va être compliqué quand même, parce que l'équipe bracelet, même si Nico est équipier, il y aura trois, mon coin. Ouais. Et au Léo, quand on va combiner l'équipe travaille pour mener maillot jeune, on n'a pas à douter d'être facile ni d'équipe là, mais il gagne du travail pour amener maillot jeune à dimanche. Ça c'est bon. De même, tu sais quoi, penser de Nubul, moi, ça dit, il a une autre. Oui, non, ni les petits jeunes qu'il a, ni le petit Dylan. Will aussi de la Guyane qui est présent, voilà. Ni le petit Nubul, ni Jacques Dylan aussi, non, ni les petits quoi qu'il a.
Et puis même Marc Flavien qui prend un jeune petit bonhomme, mais qui l'a, et qui a battu, qui a monté Mayoré, qui a maillot point chaud. Donc nous, la Martinique bien honorée. Bon, c'est sûr que nous sommes quand même la plus solide encore pour barrer les bouglas. Oui, mais bon, l'essentiel c'est quoi déjà, nous avons quelqu'un étape, nous avons pas de jeune, et il ne faut pas nous trop voir. Non, on va parler doucement, on va au goût, puis on vient. Voilà, on va prendre tout, et puis il faut garder un petit peu de motivation, parce que si on arrive trop vite, après il n'y a pas envie de faire piste. D'accord. Donc non, mais il faut avouer que là, il y a un petit peu de choix. Mais nous avons nous motiver, nous sommes capables d'être solidaires, mais nous respectons que jeudi vendredi ça va passer vite pour que le week-end arrive, puis nous puissions fêter ça. Eh bien, Hervé. Bon, quand on joue au début, moi, on parlait du vélo, c'est où on va jouer alors. Pas du bon, même Félix. Non, nous avons fait, et puis nous là pour faire ça, et puis c'est très bien ce qu'on va faire. De l'eau à les vélos, de l'eau à pied, on va encourager, donc ça très bien. Merci encore. Pas du bon, Félix. Hervé, à plus tard, passez une belle journée. Merci aussi, très bien.